Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There! Now, hold the pose. Just a few more minutes. You have such an incredibly singular... That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here? We've nearly finished. Have you any more need of me, master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Telemi and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord! You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir, truly. I must be going. My lord, please, I beg you! Her Highness has personally requested I finish this! Thank you, cousin, for getting me out of that. Salut. Ça va? Et toi? Ça va, qu'est-ce que tu fais? Je joue à
teste un nouveau jeu, Gridfall. Un jeu solo. Alors, est-ce qu'ils nous ont enfin mis sur le spectrum ce qu'on allait avoir? Non, je crois pas. Hey! Non, ils n'ont pas mis. Green blood. Cut. And so the day has finally come. Sur Starlink, aucune nouvelle. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your goal. Enough with the cold. T'as toujours pas accès à trop de concepts. Like us. Non. Toujours pas accès. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Kurt, I'm not in need of your protection. Mais est-ce qu'ils ont une partie genre t'as des évocations qui ont peut-être accès déjà, non? Pas du tout. Pas du tout, non. C'est bien. Non, non, c'est général ou. Ouais. C'est un peu raide. Hein. Ouais, je vais pas rester très longtemps. Je suis quand même pas mal fatigué. Pardon. La nouvelle tenue qui vont sortir là, je sais plus comment elle s'appelle. Laquelle hein? Goodwin Fun. Mais je sais pas comment elle s'appelle. Tu sais, c'est la tenue lourde là du stuff un peu bizarre. Ah, je te fais un peu de l'arrache, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, si, ce que j'attends, c'est la tenue titan là. Myself a competent weapons master. It's becoming a little hard to believe. Don't add insult to injury. This is humiliating enough. We'll need to get you through the basics, or you risk getting your feathers plucked at the first sign of trouble. That could definitely come in handy. In that case, Otto here is going to be your training partner. Go! Fight with honor! Putain, je suis vraiment fatigué. C'est ouf. À ce point-là. Ouais, 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 en ce moment. Gridfall. Oh, putain, j'ai essayé moi. J'ai téléchargé un jeu qui s'appelle. Je suis installé. Between the Stars, je sais pas si tu connais. Ça avait l'air sympa. Ça avait l'air sympa, ça avait été un petit jeu solo qui était en promo, j'ai essayé. Et alors, c'était comment? J'ai pas encore essayé parce que du coup j'ai joué à Gears. Mais je l'ai installé pour voir. Non, j'ai remis à jour. Une petite mise à jour à faire qu'on va faire. Ce qui est fou, c'est que. Bah,
Allo Rich, aucune nouvelle. It appears we've brushed up on the basics. It does, and I'd like to be on my way. I've quite the list of things to do before we depart. Indeed. Remember that you can always train in our barracks on the island if you're feeling rusty. Are your bags packed for the great departure? Yes. You know qu'il n'y ait aucune info sur Halo alors qu'ils avaient dit oui. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Non, je pense que c'est normal après. Non, non, ils ont grave de retard, alors en vrai, c'était pas prévu que ça dure aussi longtemps. I'm thrilled that both you and Sir de Corsillon are joining our party. Normalement, normalement, cette année, c'était, il y en avait au moins deux de la collection qui devaient sortir. Et du coup, ce qu'ils voulaient faire, c'était, en fin de compte, ils en sortent un, après, je crois que c'est genre 6 mois après, ils en sortent un deuxième. Non, mais ils étaient censés sortir Reach et Halo 1. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find her. Par contre, Rich, je vais me régaler. Hein. Ah bah oui. Je vais Par contre, je sais pas si j'arriverai à être aussi bon que quand je joue avec la manette. Tu verras bien. Je sais pas pourquoi. Aussi Halo 2, j'ai hâte parce que l'Halo 2 en remasterisé est vraiment beau. À ce point-là ? Ouais, il est vraiment très 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 beau, je trouve. Ça va vraiment être agréable de rejouer au Halo 2. Ça vraiment, vraiment très désagréable. Alors, Tizette. Tu vas rigoler. Dis-moi tout. Je suis bloqué devant une porte. Ça arrive souvent, ça. Non, mais le pire, c'est que... Je suis vraiment bloqué. Bah, c'est ça. Là, je suis vraiment bloqué, et puis j'ai aucune touche pour ouvrir la porte. Grateful. Oh, à quoi ça ressemble. Je peux pas ouvrir les portes. Merde. Oula, qu'est-ce que c'est que le truc? J'ai l'impression de voir du Remnant. Je vois un monstre là. Vidéo. D'accord, ok, ça joue comme ça.
C'est un jeu solo, ça? C'était pas un... Solo. Ouais, solo. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en groupe, en fait, c'est pour ça que je comprends pas. Non, c'est en groupe. C'est solo, mais ça a une fonction RPG, donc. Ouais. Mais alors là... Ouvrir une porte... Ouvrir les guillemets. Alors... Ah, t'es en stream. Et t'as fouillé de partout ou tu trouves rien? Non, mais en fait j'ai l'indicateur ouvrir, mais techniquement je pense qu'il doit y avoir une touche associée, mais... J'ai beau regarder dans les options, y'a rien. Et commande de jeu, vas-y, descend. Ah, tu joues avec la manette? Non, non, je regarde sur la manette s'il y a des trucs. Ouais, vas-y, va sur le clavier juste pour voir un peu. Et descend. Parce que là, on est tout en haut. Étant donné que c'est pas allumé, entre guillemets, regarde s'il n'y a pas une touche qui est pas bindée en fait. Bah c'est ça. Sauf que interaction. Où ça? Interaction 1. Oh, qui est pas bindée. Interaction 1. J'avais même pas fait attention qu'il y avait interaction 1, 2, 3, 4. J'ai vu le 3, 4, mais. Ouais. Bah, une touche, je sais pas. Oh putain. Ça, c'est relou. Quitte et reviens, quitte et reviens. Ah mais là, c'est pas, ça s'est pas mis. La porte qui empêche. C'est Benjamin. I've asked 1000 times. Oh, it's you, my dear child. I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. J'ai vu pire. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles. Maybe you might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time. Putain, ça me saoule, je suis en train de tout préparer vu que je vais être en vacances. It brings me comfort. Pour les petits vieux après qu'ils ne viennent pas embêter quand je serai pas là. Du coup, il y en a une, je vais faire les ordonnances plus qu'à pour tout livrer vendredi. Vendredi, en fait, je vais pas travailler, je vais faire que des livraisons, je sens rien. Vu que demain, je travaille en beauté que de faire les livraisons. Ah ouais. Ah, j'aurais pas embrassé, moi, là. Now, be off. J'arrive pas à savoir, les vieilles ou les contaminées? Je crois qu'elle s'est fait contaminer, c'est ça, non? Bah... Je pense qu'elle est plus malade de quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est vu la gueule qu'elle a. Ouais, c'est pas terrible. Ah bah, ça peut marcher. Le jeu est pas trop moche, hein. Steam vient de détruire les exclusivités Epic avec de nouvelles règles de publication, d'accord.
mieux. Kurt. Ouais. It's done. Sorry, Greenblood. Je regarderai ça. We can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking. Bonjour. I hope this island is strong. Salut. In order to know that, we'll need. C'est trop marrant. Je vous parle en 3G+. Ça existe encore, ça? Ouais. Mais en fait, ça n'a jamais vraiment parti des 3G, 2G et tout ça. Ah, mais la 3G, la connexion n'est pas terrible. Hein. Mais ça dépend des endroits où tu es. C'est ça. Ouais. Bah là, je suis sur une montagne. Il y a... On dirait que je suis sur un petit slide. Il y a de l'herbe de partout. Of course. Mais y a pas de neige encore. In the lower boroughs, near the port. Oh putain, y a pas de neige, je reste à la maison. Hein. J'ai assez de neige, je reste à la maison. Ah, je suis trop content. Je suis allé voir un petit vieux où j'ai réparé tout nickel et tout. Il m'a payé un coup à boire et tout. Putain, il m'a donné 80 balles. Je sais plus ça. Sympa. J'ai dit bah merci monsieur. I've been asked to pay visits to the ambassadors of Teleme and the Bridge Alliance. Ah, c'est rare, quand j'ai donné du pourboire, c'est très rare aujourd'hui. À l'époque de nos parents, ça se faisait très très bien, mais aujourd'hui. Bah, oui, ils gagnaient pas pareil à l'époque de nos parents aussi. Ouais. I don't know, but it's certainly worthy of inspection. Ils ont l'air tous un peu pourris, les mecs qui sont au sol. Mais disons qu'on dirait qu'il y a eu une petite peste il n'y a pas longtemps qui est passée par là, non? Une petite maladie bizarre. Hein. Voilà. Pourquoi il y a des messages qui apparaissent? C'est quoi, t'as attaqué qui là? C'est lui qui m'attaque. Et le garde, il est avec qui le garde? Non, il est avec toi. C'est quoi cette merde? T'as heureusement que je t'ai fait mettre cette touche, hein. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi cette histoire? Il y a 4 touches pour interagir. N'importe quoi. Par contre, elle est pas du tout pratique. Là où je l'ai placé. Alors bon. Ah, ça doit pas être pratique là. Et j'ai mis quoi à la place de... Ah, verrouiller la cible. Casse les couilles là, verrouillage de cible. Allez hop. Parce que quand même pour interagir, ah voilà. Ah, c'est un peu grave quoi quand même cette touche pour ça. Moi je vous laisse, je vais aller me reposer. Pardon. Et moi je veux manger une banane. Une banane. T'as bien raison, moi je vais faire une petite sieste, tranquille. Une banane. Pendant. Hop là, 1h30. Oh ouais. Une petite sieste. Comme ça, demain opérationnel. Et donc ce bruit ignoble. C'est les motos là qui passent comme des balles. Oh ouais, putain. Des gros frelons. J'ai vu un bosque. Carrément. Tu l'as vu un bosque ou pas encore? D'ailleurs, tu le vois quand? J'ai en train de faire mon épisode là. Là, épisode 2, je vais chez Billy. Épisode 3, je vais chez Abosque. Épisode 4, je vais chez Zuldor. Moi, je suis un peu loin hein, quand même. Hein. Je dors chez FFI. Oh putain. Chez moi, ça fait un peu loin quand même. Ouais. Après, si le travail te fait aller jusque là. Hein. Non, où tu es, non, c'est une autre entreprise. Genre, c'est une autre. Moi, c'est 05, 04, des fois le 13, 83, 84. Ouais. Mais pas le maximum, tu vois, on est 83-84, on a la moitié de la région. 05-04, on a toute la région. Et le 13, on a un quart de la région. Bon, je suis arrivé dans une ruelle, c'est une impasse. Il y a juste des mecs à plomber, quoi. Mais un jour, je vais aller dans une boulangerie.
Et alors, bonjour monsieur, je voudrais une éclair au chocolat. Je voudrais une douvie. Est-ce que ça existe une douvie? Vous voulez la douve? C'est un bon parasite, la douve. La douve du foie, tu connais pas? Ah putain. Légèrement. Bon, allez. Légèrement embêtant, hein, la douve du foie. La douve du foie. Oh oh oh, ouais, sans l'avant-bras, c'est pas un souci. Ouais, si, si, y'en a. C'est un parasite, donc il devrait. Il y a bien des anti. Des vermifuges ou des trucs comme ça. Oui. Tout existe. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Les enfants de moins de 16 ans et tout ce qui les accompagne. Je connais trop par cœur maintenant ça. Jusqu'à 20 personnes payent tous moitié prix. Ah non, c'est pas ça. Hop. Ah, mais c'est pas ça. Playlist de créer. Ah putain, mais il a fait 2 milliards de playlists, ce petit cochon. Ah, ce matin j'ai bossé sur Hit Film. Ouais, avec les trucs que je t'ai envoyé. Ouais, en partie avec des trucs que tu m'as envoyé, et en fait ça m'a renvoyé sur d'autres liens, etc. Et ouais, suite. Voilà, de toute façon après c'est comme ça que. Et en fait, bah, j'ai trouvé des. Voilà, j'ai réussi à faire des petits trucs, ouais, avec des logos, tout animé en 3D. Truc vraiment sympa. Hein. Après, de toute façon, quand on est. Mais comme ça, quand on part en freelance, faut toujours essayer quelques trucs et après, des fois, on fait ah, bah tiens, si j'ai... on peut faire ça comme ça, alors à ce moment-là, je peux peut-être le faire d'une autre façon. Ouais, bah ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est ça, j'ai fait des tests ce matin. Je pense qu'il y a moyen de faire un logo animé assez classe. FFI ouais. Ouais, je pense, parce qu'il y en a un où je l'ai absolument envoyé, parce que justement j'avais vu ça, qu'on pouvait faire des trucs, le mec il prend son logo, il le fait tourner dans tous les sens, il fait plein de trucs et tout, j'ai fait wow. À mon avis, même si notre but c'est pas de le faire tourner dans tous les sens, je suis sûr qu'on peut arriver à choper quelques trucs et y a le mettre quoi. Ça va être sympa. Bonjour, monsieur. Putain, mais il y en a un, il a dessiné Yoda, enfin il a sculpté Yoda parfaitement, et du coup il t'a fait un mélange entre Yoda et Dark Maul. La pute, c'est pas mal. Ah non, franchement, il est super bien fait. Mais vraiment, t'imagines Yoda, mais avec les couleurs de Dark Maul. Et les yeux. Tout pareil. Franchement, super beau. Mais tu vois, c'est pas le premier que je vois où les mecs ils se servent de base. Du vernis à ongles, tu sais, pour les femmes, de la base, et en fait ils s'en servent pour faire les yeux. Ah, d'accord. Et en fait, le fait, ils mettent ça sur leur sculpture, sur les yeux, et en fin de compte, ça donne l'aspect brillant des yeux et tout. C'est impressionnant. Ah, c'est pas mal ça. Bah là il est en train de le mettre sur les yeux Yoda. C'est impressionnant ça. Les yeux, ça change le truc quoi. Ça change complètement le truc. Déjà que Yoda est comme. Je sais pas comment je peux vous l'envoyer Yoda. Yoda. Dark Maul. Un Maul, c'est M-O-L. O-M-L. Il n'y a pas de... Sculpture, il n'y a pas sculpte. Faut que je marque Monster. 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 Copier l'adresse de l'image. Non. Faut ouvrir l'image dans un nouvel onglet. CTRL C. Si je le mets dans la discussion interne, vous allez voir. Je
trouve ça sympa. Ah. Merde. Et celle-là, ça c'est la tête qu'il a faite. Juste la tête en porte-clés. Ah putain, je suis en train de dire un truc, c'est marrant. T'as regardé à quoi il ressemble? Attends, je regarde. Oh! Oh putain, pas mal! Carrément. Ouais, c'est ça pour l'épisode 9, mais moi je suis preneur. Non, mais tu vois, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que le mec, en fait, il a fait une sculpture complète. Donc, tu le vois en entier avec. Copier, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. CTRL-C, alors je sais pas ce que ça va donner comme qualité, parce qu'elle est vraiment toute petite l'image. Oh, laisse tomber, non, ça va faire un truc chelou. J'ai combien d'essence? Oh putain, faut que je fais le plein. D'où passe-moi ta carte de concierge. Là aussi. Ah putain, mais attends, si j'oublie pas, on pouvait avoir une carte, non? À un moment donné, nous. Ouais, on peut plus les avoir. Ça y est, les black cards sont finis. Moi, c'est, je surveille dès qu'ils les mettent, je surveille à fond pour que j'essaie d'en avoir une autre. En avoir une. Mais j'ai mon pote là qui avait acheté le pack Legatus. Lui, il allait râler. Hein. Il a dit ouais, moi j'ai payé ça. Je veux les cartes et tout. Bah, c'est normal, hein. Putain. Ah putain, tu crois que je peux gueuler moi ou quoi? Je sais pas. Et lui, en fait, il a menacé de. S'il les avait pas, il a dit bah tant pis, j'arrête le pack. J'ai fait une annulation. J'ai jusqu'à 30 jours pour annuler le virement. Pour les cartes. Moi, tu vois, j'aurais été à la place de si. Bah, après, ça, j'aurais été à la place de si. Dit, moi, j'aurais fait bah. Ok. On va pas se prendre la tête pour ça. Tiens, est-ce que je l'ai? Voilà. Oh. Image à bord. Dans la pompe. Quand il a commencé à le sculpter, Yoda, c'est comme ça. Ça charge. Ah, d'accord. Et en fait, il fait ça. Du coup, après, bon, il coupe la tête. Parce qu'après, ils le font, comment ça s'appelle? Ils font tout séparer. Quand il le moule, et du coup après la tête tu peux en faire ce qu'il veut, et quand il moule la tête après il en fait porte-clé, il fait ce que tu veux avec. Putain, stylé, hein. C'est bien fait quand même, tu te dis putain, ils font ça avec du vernis on this chance. C'est tout petit, hein, c'est and tout give petit, yourself ouais. A healthy and energized life. Rejoice. Bah, tu vois, a fire tu vois, only costs a few coins. And well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything? Everything, absolutely everything, except the Malachor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malachor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. Hey, you are right. It's a deal. Après, I'm gonna take two. There's a man that knows a good deal when he sees one. Hurry now. There won't be enough for everyone. These are men. No doubt. His speech is well polished. I even feel like buying some. And if we had a word with him, would it feel serve us the same routine? Elboy. Ouais, non mais mec, tu vois la tronche qu'il lui a fait. Ah, you're finally tempted. In all honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you? J'ai pas de conneries, mais je crois que ça a dû lui prendre 6 ou 7 mois à le faire. Are there any nasty side effects with this remedy of yours? There are none. You will feel nothing but an intense sense of well-being. Je crois que je vais aller la chercher sur. Will you drink one of your potions to prove your good faith? Of course. I take a little sip. Bah, c'est difficile de trouver ce que ça veut. As I am in perfect health, aucun effort, il écrit you won't be able to verify the improvement in my condition. C'est pas évident.
If it helps you make up your mind, give me just a moment. Par contre, vraiment, ils en vont. There now. As you see, I am still in excellent condition. Come on now, I saw you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cart. La photo en grand, tu vois. Mais qui fait les pores de la peau comme taré. To my house and death to the others. All those blue bloods aren't worth tuppence. Ma passion avant tout, c'est de faire ça. Ça me prend 2 minutes. Mais tu es trop précis. Non mais c'est ça qui est impressionnant, c'est que les mecs ils arrivent à faire des trucs. Et encore c'est pas les meilleurs, hein. Enfin c'est, il est très bon, mais c'est pas le meilleur. Hein. Enfin mais je dis pas qu'ils sont pas beaucoup après au-dessus de son niveau, mais t'en as quand même pas mal. Peut-être des mecs qui sont vraiment d'une autre planète. Hein. C'est la planète Mars. Non, franchement, c'est propre, c'est pas mal. Le mec, je vais lui commander un Yoda. Un Def Yoda. Ça va te coûter cher hein, quand c'est des sculptures fait main. Je vais faire tiens, gros, un javelin. Mais ça ne sert à rien. Là, c'est exactement ce que j'ai dit, je suis même pas sûr que ça m'intéresserait. Moi je suis couché parce que du coup de 1h30 ça se passe à 1h là. Bah ouais vas-y, tu vas faire comme moi après la dernière fois. C'est have you finally made up your mind? Allez, à tout à l'heure. I happen to have a vial of your medicine. Would you be willing to drink it in front of us? To prove that there is no risk. This bullying is trying my patience. I'm beginning to suspect that you might be working for a rival. You refuse to taste it. You might have put something in it to cause me harm or further disgrace. No, look. The vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me when you have just admitted to being a thief. Come now. You can see for yourself that I... You don't have the right! Damnation. He got away. He can't have gone far. Find him before his head ends up on a spike. Think back to the note that we found. We need to take a look at the... Oh, y'a pas grand chose que sur Facebook aujourd'hui. Dommage que t'aies pas la connexion pour regarder mon live. T'en occupé. Ah, tu as un live? Si, j'ai un coup. 3G plus, ça passe. Je sais pas que tu l'as eu. Attends, comment on fait? T'es sur YouTube? Ouais, sur YouTube. Hop. Bon, regardez, tu mets ta chaîne dans ta description de... Ah, je crois on peut pas. J'ai un doute. Mettre ta chaîne en description de Discord. Comme ça, tu vois, quand on fait profil, on peut cliquer direct sur ton YouTube. Ah oui. Comme on fait pour Twitch, nous. C'est comme ça qu'on fait pour... Si on n'a pas d'invite, genre si on n'a pas le URL. Logiquement, j'ai pas trouvé. Il faut que je vais sur ma chaîne. Et... Comme j'étais en copain, ben je vais voir. Non, ça c'est pas moi ça. Copain. Oh. Putain, mais comment ils font pour passer dans des coins pareils? Parce que là, je suis vraiment pris d'un ravin, tu vois le. Putain, il y a une seule voie, tu vois. Il y a des camions qui passent quoi. The merchant is there.
Alors, chaîne. Voilà, chaîne. Et t'es sur Doom ou FFI? Doom. Ah non, je stream pas autre chose que du SC sur FFI. Et encore, je stream très rarement sur FFI. Attends, je mute quand même. Good day, good sir. How might I be of service? You can start by explaining to me why you refuse to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, sir. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master at arms. C'est quoi le chef en direct? Non, on a que le joueur. Créer une chaîne pour rejoindre le chat. Ouais, j'ai pas envie de me connecter. Je suis là, mais j'ai pas envie de me connecter. If you agree on a sum, you need certains... to honor that agreement. I'm sorry, mais sir, je vais être un top chatter. And I'm only obeying orders. Il me dit un truc, ce jeu. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. Hier ou avant-hier. He told me that their attendant seemed to be hiding something. Là, when he passed moi, c'est the order. Moi, c'est dommage, je and so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked for. I'll be damned. Putain, j'ai plein de trucs à acheter, j'ai une manne, je sais pas quoi, que Big me fait chier avec. Le sous de l'or encore. Oh là là. Non, j'ai plein à acheter, parce que... Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Oh, c'est de la merde. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise. If these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we do immediately. Il coûte combien, le nouveau tank? In the future, we won't be shopping with them. Le Novatank, il coûte combien? Oh, j'en sais rien, 70 euros, 60 euros. Ah ouais? Mais c'est si peu que ça? Il me semble pas que ce soit avec l'orbitant. Parce que j'ai 4 gladius, il faut que j'en fais sauter un, genre, il faut que j'en fais sauter 3, tu vois. Quitte à niquer pour un Novatank. Mais voilà. I'm certain we can come to an unofficial arrangement. You are clearly the apprentice of a demanding master who expects you to follow orders without raising a brow. Life in your shoes can't be easy. Perhaps we can help you take the weight off your feet. And what would I have to do in exchange? If I give you the merchandise, my master will still demand the price he's supposed to pay me. Not if you were robbed by pure chance. Dis-moi que c'est indirect. C'est à quoi? Oh putain, il y a des SRP. Some of my men break in and collect their merchandise. You'll just have to make a devastated the dastardly boldness of them face in front of your master and we're done. And the bonus will be how much? Well, you won't be retiring with it. Oh. All right. Done. I'm with you. Voilà. As soon as I've received my bonus, my eyes will grow weary like. Ah, not just yet. You'll get your bonus afterwards. The guard has already been taken once by your promises. Well, you can't hold it against me for trying. On dirait Assassin's Creed. Very well. No. Call for your men to come. Oh, dialogue. You're certainly honoring your new title. Bravo. Mais... The quartermaster must be expecting us. Ah si, ouais, il y a ici un retour voix sur le chat, déjà sur le live. Oh, quand c'est barbare. Ah, j'aime quand c'est barbare. Des gros mousquets au corps à corps. Un truc... Oh putain, ouais. Bah. Il est sympa, peut-être je vais me le prendre. Et une cop, non, c'est que du single player. Non, c'est que du single player. C'est quand même 50, 60 moules, hein, 50 moules, faut les sortir. Ouais. Hein. Je veux dire, si t'attires pas plus que ça, tu vois, c'est pas forcément utile. Non, mais j'attends, je sais pas, une promo, tu vois, quand il y aura. Il y aura du Borderlands là déjà qui va arriver donc.
Ouais, Borderlands, ouais, il chauffe là. Il chauffe de ouf. Peut-être que ça vaudra plus le coup d'attendre Borderlands que d'acheter Gridfall, tu vois. Enfin, je dis ça. Attends, bon, ça, faut que je sais pas si je le précommande ou j'attends la sortie pour payer mon cher. Parce que moi j'adore les codes digitales. J'adore quand c'est code précommande. Ah oh, oui, dis-moi encore ça. Code précommande. Ah oh, oui. Good day, Excellency. Sir de Sade. To what do I. I have come to inform you. I allow you. You're correct. Oh, ça me fait chier. The... Dialogue à rallonge. To be entirely honest, tell me more about. Very well. Oui. But the we were sure le dialogue d'un cardinal pourri. Un cardinal, c'est le pape tout puissant d'où. I must be going. Partir, farewell. Hein. May the light. Voilà, c'est bien. Allez. On se casse. Voilà, attends, j'ai quoi, pas vu l'île merveilleuse. Hein. L'île merveilleuse. Oh, voiture, tu chantes. L'île merveilleuse. Ah ça va, ouais, il est pas cher. J'ai joué un nouveau tank. 115€. Ça va, c'est-à-dire un perdu ça coûte 100 balles. Ouais, j'ai envie d'éclater une balle. Putain, c'est bien ça. Trop trop bien. Tu l'as combien ton tank? À 15€. Ah putain. Mais il faut deux. Il est quelle heure? Ah, je vais y aller. Bon bah Dou, je te fais des bisous. On se voit peut-être ce soir, je sais pas. Peut-être. Oui, oui, sûrement. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais sur ce, je te fais des bisous et voilà. Allez, ciao ciao. Travaille bien, bon courage. Merci.
Greetings, Your Excellency.
Sir de Sade, I presume. It is an honor to make you a captain. You set sail soon. Have you? Yes, we were. Excellent news. I'm afraid, though, that... Blast me. I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite... Very well. The merchandise that you obtained needs to be sent to Tirfredi as soon as the Port Authority formalities for shipping taken... And we've already lost quite a bit of time with this dishonor... Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well, now, if he finds an alternative solution... But this cargo must reach the... Marvelous. Well, then, I await your return with... It's blocked. Good day, tavern keeper. Good day to you. What? How is business going these days? It's picking up. We've not... The Malachor and the neighbouring walls have dampened commerce. The epidemic still rages, but the possible... Now that we have a city there, quite a few sea... With all these sailors coming and going, you might... Right. Even stories they say that man treasure about... Ah, but you... Has the Malachor really put a damper on your business? More than a damper. They were... People stopped going out of their homes. They were afraid. And then, thankfully, the alchemists of the bridge said that you could... People were still distrustful, as is their nature. I also lost quite a few regular customers. Ah, but that's nothing new to you. I need to be off. Farewell. Goodbye. You again? What are you doing in my room? I'm not the only one that has found you. Have you seen the mob that is gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance Ambassador is quite unsettled by your commerce, and he is the one who sent me. Sahin? Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here I am. Playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Saad. Dr. Sahin warned me that you were an imposter. That doesn't surprise me, coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set off a chain of machinations to disgrace me. Why does Sahin bear you such hatred?
I was unfortunate enough to oppose certain great minds of the Academy, to criticize their methodology. I saw them inflicting torture on sick prisoners, making them to find a remedy to the Malachor they won't hesitate to kill. It is for an act of courage that you fell from grace and earned Sahin's hatred. Are you not ashamed to have poisoned those poor... These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. You don't understand. I fled. But I haven't... This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the Malachor. So you manipulate people to use as experimental fodder. That is complete... I don't have a choice. But it does not harm them. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it? I ran tests on myself for such a long time that I ended up becoming... A small sip of this mixture provokes in me now... The mob would have been furious in any case. But a normal dose, I assure you, is... Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has some... Perhaps, but you're hurting innocence. I cannot let your commerce continue. So... I'm going to help you leave the city, but you must promise never to... I swear it. Very well, then. I need to first get you away from those who want us. If we can't find a way to sneak out of here discreetly, we will have to confront the populace. I haven't lost hope that I'll be able to help them. It would be better if I remain hidden while waiting. Servant, the lock's double bolted. The key to the locked. Let's go and find the alchemist. We need to get him out of here as fast as we can. So, did you find a way to get me out of this hornet's nest? Yes. I need to get you out of here. I have unlocked the service entrance. You will be able to sneak out of there discreetly. Without being skinned alive by the mob. You need to remain prudent. I will escort you. I follow you. Let's sneak out the back. I hope we don't run into any unhappy patients.
the others! My cart, finally. I owe you my life. How can I ever thank you? Just do us the favor of never coming back. Have no worries about that. Move along now. Get out of here. Would you accept this as a token of my gratitude? Farewell, my lord. Your Excellency. Lord de Sun. I tracked down your man near the Coin Guard barracks. Finally! Let's just say I put an end to his activity. Matters turned out a little more complicated. He managed to slip through our fingers. Once again. We followed his trail to the Coin Guard tavern, but he had already escaped. All the same, you have nothing to fear. We'll eventually catch up with him. Governor Burhan will be happy to learn that such an amiable legate will soon cross the shores of Tir Fridi. Thank you for your help, Ex. I need to be going. Goodbye, Lord. Yes, that's Constantine's voice. It's coming from the upper floor. It sounds as if he's locked up. And I have a feeling they're expecting company. Be careful. The slightest itchy word to these brutes will have them drawing blades to scratch it. Negotiation may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom money. What a waste. I'd rather sneak around them than give half a coin to these seedy fellows. It's blocked. It's not possible just now.
gonna bring the guard out if he keeps shouting like that. We should have gotten rid of him. Don't be an idiot. It's obvious that he's a noble, a rich man. He needed to be taught a lesson, but it's better we grab some coin. With all those posters we posted, someone with deep pockets will show up sooner or later to liberate the rooster. Oh, he's making a great deal of noise. We could knock him out or gag him. Well, this has been monumentous, gentlemen, but I have more important things to attend to. An island to govern, treaties to sign, riches to expedite, and a demanding father to impress! Constantine, it's me! My dear cousin! Oh, my lucky star! Always there to pull me out of my fires. Well, I do what I can. We're departing soon. Your father wasn't pleased by your absence this morning. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me. He cares about you. I know that. He appointed you governor, didn't he? He is ridding himself of a source of constant disappointment. Enough said. Today we set sail for adventure. How these river scum treated me. Do me a courtesy, good cousin. Now that we stand boldly alongside the brave Kurt, let's give them their money's worth. They haven't spotted us. We could sneak out of here silently. We have a ship to board. You've always been the reasonable soul. Don't you think these brutes deserve a punishment? Yes, without a doubt. But don't you think there are more pressing things? Kurt. It is your highness's decision to make. Whatever it is, I shall follow.
Greenblood, do you need something? I must leave you.
Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. You, man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. There are some children we'd be best to refuse. Captain Vasco. And you are? I'm de Sade, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship. Not a boat. Apologies. Constantine d'Orsay, future governor of Tir Fredi. I'm enchanted, Captain. I am eager to board your ship. Enchanted as well, Your Highness. I hope you enjoy your voyage. Are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure. Like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Take a look around. There are far too many. As long as they don't try and get on my ship, I paid not set. We did catch ourselves a smuggler. A smuggler? Maybe he could... In the port jails. Not far from the way. Might I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? A couple of heretics are planning on leaving Serene. The ambassador... Happy to see that you... Just so happened. They're making quite... Of course. Right? I'm sorry, you're... But we won't... What do you mean? That discretion and malice are often more useful. I have a favor to ask before we leave. I'm all ears. We would like to load some merchandise into your ship's hold. Impossible. You're too late for that. All merchandise must be registered at the Port Authority. And the formalities so. Unless you're asking me to turn smuggler and hide contraband. I wouldn't go that far. We're only talking... Well then, they'll have to wait. The next ship... Hellfire. If that shipment doesn't leave today, the command... Captain, I understand your position, but it's... I doubt it. Even if I wanted to help you, my quartermaster is a half-crazed bridge troll. He's gotten into his head that a gang of ruffians want to use my ship to pass contraband. He's placed guards where our cargo is being held before being loaded. All that is not in the warehouse and noted on the manifest will be left on the docks. Sorry, but your crates are going to have to wait. Sorry, Kurd. The commander is going to have my head. I'm sure that's what he wants. In that case, we're going to have to doctor the manifest ourselves. When did you see your cabin boy? It's been 2 days since I've had it. It wasn't out of the order. But the day of departure. Be back soon, Captain. We need to have a word with that people smuggler the sailor mentioned. He's a captain, Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Without being noticed. Let's take a look around the building. We might find a less conspicuous entrance. If you wore a Nort uniform and you were able to keep your mark hidden from them, they might let us in. Unless we just offered them a drink. These sailors rarely refuse one. I see where this is headed. If we drop a little soporific in their glasses, the way will be clear. I'll just need to find the proper ingredients, but it's doable. Where is the manifest to be found? I've already been to the port authorities.
They keep the official documents upstairs. To my help! And to the US! Careful, Greenblood! C'est revenu, Zelda. Ouais. Allez, je rattaque à 30, là. Je finis la petite sieste-toon. Quoi alors dans ton jeu, ça vaut le coup? C'est marrant. C'est marrant. C'est drôle. Non, non, non. Je me suis réveillé un petit peu avant la sieste, la fin de la sieste, je me suis dit, si j'essaie de redormir après, je vais être plié en deux. Ça va être marrant. C'est impressionnant. Ah, tu vois, bah voilà, ça c'est le réveil. C'est désactivé tout seul, j'aime. Putain, il a fait un poulet, il est super bien fait ce poulet. Thank you.
me reste à peu près 10 minutes. J'ai vite fait de lancer l'autre jeu pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est le petit jeu dont je t'avais parlé. Ouais, bah ouais. En fin de compte, ça a l'air d'être un jeu de... Je sais pas, d'après ce que j'ai vu, c'est un vaisseau spatial, tu as de la gestion, tu as de l'exploration. Of course, we're not in Teleme, you know. You better get going. The harbor master is ringing it. All the Nauts must rendezvous at the port. Oh, par contre, c'est full anglais, hein. Must be something serious. Damn, we didn't hear either. We're done for. Come on, we need to move fast. Be off with you. I'll watch over the warehouse in your absence. On a déjà vu que c'est full anglais. On va mettre clavier en anglais. They need all the time they can get. Oh bah. Ouais, le jeu est trop fort. Alors attends. Normal mode. Setting. Sound. Voilà. Captain, sir, we were given orders to wait here with the merchandise. The way is clear. Trop forte. Time to get going. Do your best. Don't you be worried. The warehouse is move out. Back. Voilà. Prologue. Donc si j'ai bien compris, vite fait, je crois que genre tu commences forcément avec un tout petit vaisseau, tu fais quelques combats et après, je sais pas si... Between the Stars. Between the Stars. C'est bizarre, ça me dit quelque chose. Ah bon, là je commence direct avec un gros vaisseau. Et c'est bon, c'est un petit jeu, c'est quoi? Ouais, c'est un petit jeu. Attends, je chante. Parce qu'en fin de compte, ce qui m'intéressait, c'était, c'est pas que le, voilà, ok, d'accord. D'accord. Ah, ça a l'air sympa. Parce qu'en fin de compte, non seulement donc t'as un. Alors par contre, je sais pas comment avancer. Ok, d'accord. Alors, si en fait, t'es un peu comme Star Citizen, t'avances avec la molette. Ah oui. Donc en fin de compte, t'as une gestion de... Oh, non, je reviens en arrière, ok. T'as quand même une gestion apparemment de... La map marche pas... On va mettre à zéro. J'ai l'impression que t'as quand même une gestion de... Je sais pas comment expliquer ça. Une gestion d'équipage en plus de ton vaisseau de base, tu vois. Donc si jamais tu perds les moteurs ou tu perds des trucs, apparemment il faut quand même aller dans un mode du vaisseau où entre guillemets tu gères tout l'équipage et tout. Ah bah ouais. Mais c'était ça en fait qui m'intéressait un peu. Alors, the most down of inversion. D'accord, ok, ouais. Donc hop. Vers l'arrière pour reculer, ok. Ça j'ai compris. Alors, ça pour monter, strafe haut, strafe bas. A pour latéral. Et QE. Ah ok, ouais, c'était ça les... Alors quoi?
Ok, attends, non, c'est pas ça que je... Pardon. C'est pas ça que je vais faire. Use up arrow. Ah, ça va être ça. Ah d'accord, ok. On va se faire attaquer. Est-ce que X presse X to... Ok, c'est bon. Détruire l'ennemi. Bon, il me reste 3 minutes. Ça va être chaud à détruire les ennemis en 3 minutes. On va se le tenter, les gars. Ah! Je crois que je vais me faire aborder. Non? Ah, y a quand même une histoire de surchauffe hein, des composants et tout. Hein. Je crois que je suis pas bien du tout. Ouais. Il va mourir. Ouais. You cannot pass. J'en ai explosé un. Ok, y a la surchauffe à gérer. Ah, c'est intéressant. Bah, dis donc, j'arrive pas à le toucher lui. Hein. Ah, Sphalen. Ah, j'ai le shield qui est pas bon. On repart sur le côté. You snuck yourself in here just to ask me that question. If this is some sort of trick to get me to admit to some crime, you are truly twisted. You can see for yourself that I'm no Nord. Come now. Are you the one I'm looking for? I'm already locked up. What more do I risk? Yes, I am a smuggler. But I'm not the only one in this city. I'm searching for a couple fleeing to Leme. They're trying to leave the city. Have they contacted you? You certainly can't imagine I'm gonna... I don't really think of my clients as kin. A real saint you are. Du coup, il y a une bonne gestion aussi de ta position et tout dans l'espace. Your two telemites are hidden. They must be waiting for me. If the Nords get their hands on you, anytime. Et du coup, il y a bien une gestion aussi de surchauffe. Dans le sens où si tu t'arrêtes de tirer avant la surchauffe totale, shift mouse de quoi? Ah d'accord. D'accord, je pense qu'au début il te file un gros vaisseau parce que... Il te fait défoncer. Non justement, parce que ouais, tu te fais attaquer de partout quoi. Si c'est dans ce sens-là que tu parles de te faire défoncer... Ouais il est 30, faut que j'y aille. Ouais je quitte, save, je peux pas quitter, exit tout le menu. Allez, je regarderai plus ça ce soir. Allez nous, à ce soir. À ce soir, ciao ciao. Ciao ciao.
Damnation! We've been found. I told you that the smuggler was not worthy of our trust. The man to which you are referring was arrested and thrown into prison, but revealed to me your hiding place. Oh, the traitor! Have you come to deliver us to the Inquisition, then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime. We are not heretics. We are nothing more than historians. In that case, why is the ambassador of Teleme so concerned about your teachings? Why is the Inquisition looking for you, and why are you hiding? Our only error was wanting to publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the censor. And here you have the result. We fled all the way to Serene, thinking we would be safe. But the Inquisition wants to silence us so badly that they followed us here. Tell me more about your research. What about it is so horrifying that it would provoke such a fuss? Our work concerned the teachings of St. Lucius. The disciple of St. Matthias. The one who returned to Teleme after traveling with his master. The very same. His writing was carefully preserved, but never... With the discovery of Tirfredi, we thought it crucial to take... We wanted to verify if this island could have been the faraway... And? What did you... Tirfredi is without any doubt the land that... But the text that we discovered was... In the original text, St. Lucius doesn't speak of an... He speaks of a voice that came from the depths of the earth. It was written in black and white... And then... I understand now what that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a demon than a saint. The sacred texts are always difficult to interpret, but... Who were you hoping would give you asylum? We were hoping to reach Al-Sad. The Inquisition won't check... Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. By entering Al-Sad as clandestines, you risk being taken for... That would be better than being Did you try speaking with the censors? You could... forget... Oh, we have signed already an abjugation. We were even ready to say that we had never seen the truth. It served no purpose. I see. Well, I beg of you, please do not deliver us to them. Let us It doesn't sit well with me to send you to... I freed your smuggler, and he'll certainly be in touch. He or another... Be careful. Oh, thank you. Thank you for having heard us and helped. You are truly full of kindness. You have a kind heart, Greenblood. It'll be the end of you, but that doesn't bother me. I wouldn't have wanted those poor buggers to end up on a burning pyre. It would seem that I'm not the only one with a tender heart. Good day, Excellency. It pains me to inform you that the heretic... Curse them! Alas, these renegades have found protection with the ambassador of the Bridge. I would not have been able to capture them without risking a diplomatic incident. The Bridge. I thought as much, but I had hoped that you might intervene quickly enough to stop. We have nothing else to do but pray that the... I must be going. Farewell, Ex... May the light...